Alors aujourd'hui, j'ai voulu démonter le carbu qui est là pour un nettoyage plus ou moins complet. Je dis plus ou moins parce que le réservoir est rouillé, alors de toute façon, ça ne fera pas grand chose. Enfin, ça reviendra ce que je vais nettoyer. Problème, je voulais dévisser les vis de 8 là. Là, ça, celle-là, elle est naze complètement. L'autre là derrière, j'arrive. Celle-là, les nazes, elle n'a plus de tête. Donc, obligé de démonter les vis de 10. Sauf qu'il n'y a rien qui passe, donc j'ai tout viré, boîte à air, tous ces bazars-là. Bon, j'ai fait du vide. Et ben, je vais pouvoir m'occuper de cette vis, il faut absolument la desserrer. Parce que je veux voir comment c'est derrière. J'ai fait une fente déjà avec une lame de scie à métaux. Moi, je sais pas si on verra bien, mais alors la cuve, la vis de richesse, le gicleur, puis d'aiguille, ça va bien déboucher tous les petits trous là. La vis de richesse, je vais la nettoyer parce que déjà elle me. Déjà, moteur en marche, c'est pas accessible du tout. Et c'est surtout que j'ai l'impression que j'arrivais pas à le mettre en butée pour régler. Voilà, si la butée est là. Donc on voit quasiment pas de filetage. Vous voyez aussi, là. Celui de ralenti, il est là. Ça ralentit, là il y a le réglage du ralenti par la hauteur de boisseau, celle-là là je vais la démontrer. J'essaye de pas enlever les. Quoi, je vais être obligé. Pas enlever les flotteurs parce qu'ils sont bien réglés, j'ai regardé. C'est 18,5 moi. Bon, voilà. Et un bout de câble d'acier au fond. Dans le petit trou, pas celui qu'on voit, celui qui est plus à gauche.